Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre humble serviteur Eritor. Je vous avais promis cette vidéo là, elle était déjà prête, mais pour quelques soucis personnels, c'est pourquoi vous la voyez à 7h, 19h. Comment vous allez? Moi je vais superbement bien. Apparemment, il paraît que de Bordeaux l'écofar a encore une fois été victime de sa célébrité. On revient juste après le générique. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Bon, famille, vous connaissez, hein, vous connaissez, c'est le bois d'argile. Vous regardez la vidéo. J'espère que vous avez commencé à faire un tour. En tout cas, c'est le petit coin de rêve de la Djibi. C'est le petit coin de rêve de la Djibi. Et je vous invite tous à faire un tour. Voilà. Vous faites un tour et après vous venez juger dans l'une de mes vidéos en commentaire pour voir si je vous ai menti ou pas. Mister Lester toujours est toujours là. Voilà, il vous a laissé un gros fistas sur son YouTube. Soutenez. Voilà, allez regarder, liker, commenter, partager aussi son freestyle avec vos amis. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est une histoire de, une fois de plus encore, un autre compte Instagram fake au nom de Bordeaux Likoufa. Je vais d'abord parler à ces personnes-là. Les amis, moi je trouve que c'est malheureux de votre part. Hein. C'est vraiment malheureux et pathétique. C'est-à-dire, toi, tu es venu au monde, c'est-à-dire, tu es venu sur Terre. Tu ne veux pas te faire un nom toi-même. C'est-à-dire, toi-même, tu ne veux pas batailler pour te faire un nom. Tu veux te faire un nom au détriment du nom de quelqu'un d'autre. On appelle ça usurpation d'identité. C'est condamné par la loi. Comme ce sont les réseaux sociaux, on ne peut pas connaître directement l'identité de ces personnes-là. C'est pourquoi vous continuez. Sinon, si on avait déjà enfermé un ou deux d'entre vous, je pense que ça allait cesser. Pratiquement tous les artistes de Côte d'Ivoire ont été victimes de ça. De Bordeaux, je crois que c'est la troisième ou la quatrième fois encore, si c'est cette même histoire d'Instagram là. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, vous qui vous faites appeler super fan de Bordeaux, ou bien vous êtes trop fan de l'artiste là, quand même. L'artiste vous dit qu'il n'a pas d'Instagram, même Snapchat là, il n'a pas. Il vous dit ça plusieurs fois les amis. Moi, je trouve que c'est vous qui exagérez un peu. Hein. Votre artiste n'a pas Instagram. Moi, j'ai fait au moins pas moins de 5 vidéos sur le sujet. Mais vous continuez toujours à suivre ces comptes fake là, quand même. Ressaisissez-vous un peu. Parce que quand même, c'est pas intéressant. C'est vous qui encouragez ces personnes à créer ces comptes-là. Le propriétaire même vous dit que je n'ai pas ça. Mais quand vous voyez, vous avez tellement envie de suivre votre artiste, vous suivez ces gars-là et vous vous faites arnaquer. C'est pas intéressant, les amis. Bon, c'était ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Retenez que Debordeaux Likoufa, c'est son Facebook. Pour l'instant, c'est son Facebook seulement. Et puis sa chaîne YouTube. Merci.